Good evening, everyone. Before we get started with today's press conference with Wim and Iselin, I just want to remind everyone who's joined us on the Zoom, if you have a question, to please use the raise hand function. We'll get to your questions after we address the questions in the room. Gemma. Iselin, congratulations. Can you tell us where you felt the momentum swing in that match? I would say at 4-1 in the second. I had so many opportunities from the beginning of the match, and I was hoping my chance would come, and thank God it came at 4-1 in the second set, and I tried to be patient, and it worked well in the end. What was the difference, do you feel, from that point until the end there? Maybe I tried to be a little bit more aggressive. I felt like I was just not being aggressive as much as I was on the break points against me, and I managed to make the returns and to play aggressive on the important points, and from there I felt well. I started moving well, and I felt like I was in the zone. And when Rebecca did start to claw her way back in the third set there, what's going through your head? Well, I know that she's a great player and that she's playing very aggressive. And I mean, I was playing well too. So I try to stay focused on myself and to go for my shots and be patient. And I was still leading in the third set. So I try to look at the positive. And Wim, Wickmeyer obviously suffered an ankle injury early in the first match today. Do you think she'll be all right for tomorrow? Yeah, it wasn't, honestly, it wasn't that bad. I mean, it was like, a small accident on the court, but I think she's fine, yes. Congratulations on the win. We heard some very audible, like, come ons and cheers from you. I'm wondering, how nice is it to know that your team is there supporting, to have your captain there, especially when you're on somebody else's home court and the crowd is supporting your opponent? Well, the feeling I have in Fed Cup is amazing. I love to play in front of a crowd, even though the crowd was against me today. I feel like I'm a team person, and I love to have the bench cheering for me and to play also for my country. And I don't know, the energy that I feel during the Fed Cup ties not similar to what I feel on the tournaments. So I mean, I love playing for Belgium, and I love to be out there and to fight. And I don't know, it just makes me better also to have the crowd against me. I don't care, it just pumps me up, and I love it. Thank you. All right, we'll move to online questions. I believe we have one from Christine. Yes. Bonsoir à tous les deux. Félicitations, Iselin. Il y a eu deux matchs dans ce match. Est-ce que tu es fière de la façon dont tu as réussi à renverser une situation qui était très, très compromise? Je suis super fière de m'être battue du début à la fin. C'était, je vais pas cacher que c'était frustrant d'avoir autant d'opportunités et de pas les saisir. Oui, m'a su trouver les bons mots, a su me rassurer aussi et a su me convaincre que j'allais avoir encore plus d'opportunités et que ma chance allait arriver. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Je me suis battue du début à la fin. J'ai essayé de m'encourager, d'être positive, et j'ai très bien fait ça aujourd'hui. Et justement, c'est un boulot d'équipe. Il y avait Wim qui débutait sur le banc. Ça a fait évidemment partie du renversement de situation. Il y a ton caractère à toi, ta combativité et les conseils de Wim. Oui, bien évidemment, on sait que toujours ce qui flanche un petit peu, c'est le mental et... le fait d'avoir quelqu'un sur le banc qui te rassure, qui est positif et
et qui permet de, relativiser, ben, ça fait énormément de bien et ça me permet aussi de me calmer et de me rappeler ben, que je suis forte et que je joue bien et que j'ai les capacités pour renverser la situation. Et quand je suis toute seule, ben, on n'a pas toujours cette, enfin, j'ai pas toujours cette habilité-là. Et là, c'est clair que ça ferait vraiment du bien d'avoir quelqu'un sur le banc. Tu te sens leader de cette équipe, c'est-à-dire avec plus de responsabilités que d'habitude, plus de pression à la limite que d'habitude ? La pression, je la ressens pas spécialement. Après, ben, c'est sûr que sur papier, je suis numéro un, mais on est toutes aussi importantes l'une que l'autre. Ben, je peux pas gagner cette rencontre toute seule. Donc c'est sûr que toute l'équipe est importante. Après, c'est sympa d'être joueuse numéro un. Peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que ben, on sait que sur papier, ben, je suis numéro 3 belge. Mais en tout cas, je suis très fière de ce que j'ai fait aujourd'hui et je suis très fière d'avoir réussi aussi à gérer la pression. Question pour Wim. C'était comment cette première journée sur le banc de capitaine ? Très intéressant. Hein. Première fois, toute la semaine était très intéressante dans une équipe beaucoup de joueuses à coacher et tout vraiment différentes à coacher. Aujourd'hui, c'était très amusant. Premier match, Yanina, elle a vraiment donné tout, mais l'autre était trop forte. Et le match d'Isaline était super intéressant parce que pour moi, elle a vraiment joué les 3-7 presque au même niveau. Voilà, le plus important, qu'elle a vraiment resté calme. Elle est attendue des autres opportunités, des breaks. Et voilà, elle a pris beaucoup de décisions tactiques très, très intelligentes. Et je crois que mentalement aussi, elle était très forte aujourd'hui. Ça y est, tu as déjà compris que tu aimais ce nouveau job? Pardon? Tu as compris que tu aimais ce nouveau job, ça y est, c'est bon? Heb jij begrepen dat je, ben je erachter gekomen dat je deze job leuk vindt na vandaag? Ah oui, mais pas juste aujourd'hui, mais non, ça m'a fait beaucoup de plaisir de travailler avec la fille. C'est un groupe vraiment amusant. On a vraiment travaillé très, très, très bien cette semaine et on a eu aussi beaucoup de plaisir. C'est une bonne combination. Super, merci à tous les deux. Thank you. Do we have bonne fin de nuit. Merci et bonne nuit. Merci. Do we have any other questions in the room? All right. Thank you very much, Vim, and thank you, Zaline. Yeah, you're welcome. Thank you.